Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Tormentor Radio Show. Et nous nous intéressons ce soir à un style musical qui prit naissance dans les années 90, à la croisée des chemins entre les cadences inlassables de la techno-hardcore, les froides mécaniques industrielles et les expérimentations électroniques, un style que l'on ne désignait pas encore sous l'appellation protéiforme techno-industrielle. On voit ainsi émerger des projets musicaux comme Electroplasma, qui se démarque rapidement en proposant une musique alliant tension et densité, jouant sur les nuances et les atmosphères et évitant une surenchère rythmique qui peut parfois étouffer. Nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Nils, cofondateur du projet Electroplasma, pour nous parler de cette époque et de son retour à la production après une très longue absence, avec un maxi et un album oblique sortis en 2021 et 2022 respectivement sur YB70. Nils, bonsoir à toi et comment vas-tu ? Bonsoir à toi. Écoute, c'est pas mal, ça va pas mal. Tu sais, tu as toujours un petit peu les fesses serrées quand tu fais une interview comme ça. On essaie d'être sérieux un petit peu pour une fois. Ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous. On n'a pas besoin d'être sérieux puisque le sujet est sérieux lui-même. Donc nous, on peut être beaucoup plus détendu que ça. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça fait un peu partie d'ailleurs... De l'ADN Tormentor, de pouvoir aussi déconner un petit peu de temps en temps, surtout dans les périodes un peu difficiles comme celles qu'on connaît depuis quelques années là, donc il vaut mieux rire hein, que pleurer, on a autre chose à faire, et puis se détendre en écoutant de la bonne musique. Alors on va commencer un petit peu par présenter un peu les premiers titres qu'on a passés juste avant le début de l'émission, puisqu'on a eu une première vague musicale avec tes débuts. Effectivement Laurent, en introduction à cette émission, nous avons écouté trois morceaux. Les deux premiers sont des compositions sans titre datant de 95 et 96, qui n'ont jamais fait l'objet d'une publication, et qui rendent compte des accointances techno-hardcore du projet à ses débuts. Le troisième morceau s'appelle Urgence, est issu du Maxi Molécule, publié en 1997 sur Uncivilized World, le label fondé par le DJ et producteur Laurent O. C'est la première publication d'Electroplasma et la deuxième référence du label. Alors, on va commencer par le tout début. Avant de commencer à te mettre à la musique toi-même, qu'est-ce que t'écoutais ? C'était quoi ton background ? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer personnellement ? Eh bien, écoute, il y a toujours eu une appétence pour le son électronique depuis très très jeune. Il s'avère que j'habitais en Normandie, à proximité des côtes anglaises, ce qui fait qu'on arrivait à choper des émissions qui n'étaient pas forcément ce qu'on avait en France. Ça a été un des premiers pas sur le son électronique. Alors, t'avais tous les trucs un peu mainframe, tu sais, les Eurythmics, les Propaganda, tous ces groupes-là qui traînaient. Et puis après, ça a permis de creuser un petit peu plus loin sur des groupes d'électronique. Et puis, s'en est suivi, évidemment, des groupes comme Kraftwerk, DAF, etc., etc. Et il y a vraiment cette attirance perpétuelle dès qu'il y avait du son électronique. Et puis ça s'est affiné au fur et à mesure des années parce qu'on avait de plus en plus facilement accès à de la musique. Et je me suis dit, ça c'est le truc, c'est un truc pour moi. Et quand est arrivée la mouvance techno, ça a été un commencement, un vrai commencement. Tu peux situer ça à peu près en nous donnant quelques dates approximatives? J'avais, que je te dise pas de bêtises, je devais avoir 17 ans parce que j'ai un vieux pépère maintenant. Tu vois, t'es dans les années début 90, début 90, tu vois. Et après, ça s'est enchaîné très vite, en fait. Ça s'est enchaîné très vite parce que, tu vois, le mouvement techno est arrivé, enfin, house, techno, etc., acid music et tout. J'accrochais moins ces trucs-là, mais c'était quand même de l'électronique. Et puis après, tu vois, en 94, 95, 96, tout s'est accéléré, quoi. Donc là, j'avais commencé à composer avec ce que j'avais sous la main. On n'avait pas trop de sous. On avait du matos de merde, donc on faisait du son de merde. Mais c'est pas grave. On mettait les mains dans des séquenceurs manuels. Il n'y avait pas encore les ordi tels qu'on les connaissait aujourd'hui. Enfin, t'avais des Atari, des trucs comme ça, mais c'était inaccessible à cette période-là. Donc on se débrouillait avec ce qu'on avait sous la main. Puis au fur et à mesure des années, tu vois, tu fabriques ton petit set. Gentiment mais sûrement, avec du matos d'occasion, en bossant l'été, ce genre de choses. Et tu commences à faire du son, quoi. Et ça ne m'a plus jamais quitté, voilà. C'est une bonne maladie, ça. Tu dis nous, alors avec qui tu travailles au départ? Enfin, avec qui tu commences? Alors, j'avais commencé avec ma compagne de l'époque.
mais qui était qui intervenait pas au niveau technique, tu vois, elle donnait plutôt des orientations, etc. Mais ça a pas duré très longtemps. Et moi, j'ai continué tout le temps. Et quand je dis nous, c'est tu sais, les bandes de copains avec qui on traînait, qui adoraient les synthés, ces concerts, tous ces trucs-là, et forcément la musique électronique. Mais c'était assez léger, quoi. À partir du moment où j'ai rencontré des gens tels que Stéphane, où là, il m'a foutu le nez dedans à 2000%, en rencontrant des personnes fascinantes, extraordinaires. Je pourrais pas les citer tous, évidemment, mais ça a commencé par Laurent. Là, ça commençait à devenir un peu plus serious game, quoi. Laurent, sachant oui, quand hein, je dis sérieux, d'accord. C'était vraiment Laurent. Oui, oui, tout à fait. Mais quand je dis sérieux, c'était vraiment d'être dans ce milieu-là avec des personnes qui avaient les mêmes passions que toi, les mêmes aspirations. Mais c'était aussi un milieu de grandes déconnades, et ça l'est toujours. Et heureusement. On pourrait presque faire un gimmick de grâce à Chaos, j'ai fait ça ou j'ai rencontré un tel. Il a été une personne centrale en fait, et il l'est toujours. Dans cette musique. Donc ça, c'était la petite parenthèse, voilà. Ouais, c'est pas une petite parenthèse pour beaucoup. Il a été quand même, il a centralisé pas mal de choses. C'est le premier qui a fait ce rapprochement dans les années 90 entre techno hardcore et industriel, hein, ce qui se faisait pas du tout. Et puis on est bien content de l'avoir eu à Paris aussi pour nous amener des bons disques qu'on avait du mal à trouver. Hein, donc voilà, ça en plus d'être au passage un très bon copain qui en plus officie depuis quelques temps en nous fournissant de mix assez sympathiques, puisqu'il va y en avoir un prévu par lui qu'on va diffuser après ton émission, puisqu'il s'est à nouveau proposé de produire un mix. Donc mix que je n'ai pas encore entendu, mais enfin avec Stéphane ça va, on peut y aller les yeux fermés. On peut avoir confiance. Voilà, on est tranquille. Et comment on arrive dans ce milieu-là, justement ? Comment tu es venu à rencontrer Chaos, à rencontrer Laurent, par la suite, évidemment ? Eh bien, écoute, Chaos, c'est un mystère. On avait joué l'ambiance cinéma à Nantes, dans un cinéma. C'était à l'occasion de la Guille Éclair. Alors ça, c'était en 97, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait une énorme techno-parade sur Nantes. Et l'organisateur avait donc fait une soirée expé avec dans un cinéma où on jouait sur des images qu'on avait sélectionnées. Et là naît l'ambiance cinéma, qui est un live si tu veux à l'origine. Et je sais pas comment, Chaos le magicien trouve mon contact et m'appelle. Et ça a commencé comme ça. Il m'a dit j'aime bien ce que vous faites monsieur, et hop, tu veux bien faire un CD? Et c'est parti comme ça, tu vois, tout simplement. Et après ça s'est enchaîné si tu veux, en rencontrant des personnes dans les soirées, en allant faire des petits sauts à Paris avec Stéphane, en allant entraîner chez Whale à Paris. C'est comme ça que j'ai fait toutes ces rencontres. Et beaucoup, beaucoup, ça a été les soirées de Stéphane, les Seppuku à Dijon, à Strasbourg, à Vesoul, pas mal dans l'Est en fait, Nancy, etc. Et là, bah, j'ai croisé Imminente, Sulfuric, Acid Kirk, qui sait encore, Zotz, enfin, des dizaines et des dizaines de personnes. Et c'était génial. C'était très génial. On a oublié Lit aussi, qu'on avait croisé à Vesoul. Lit, je le vois pas souvent, on s'entretient pas beaucoup, mais on s'entend super bien. Je l'appelle toujours mon frère de son. Ah, c'est parce qu'il a migré dans le sud. Il en avait marre. Bah du oui, froid. Voilà, il est parti. C'est ça. Mais j'aime beaucoup David parce que il a une approche super carrée du son. Et c'est quelqu'un de super bienveillant. Du coup, on s'est entendu direct. J'adore ce gars. Voilà. Mais j'oublie beaucoup de monde. Hein. Dans une interview qu'on n'a pas encore diffusée, je faisais un parallèle. Alors, c'est peut-être curieux parce que c'est dans ma tête, mais entre Lit, Eva 3 et toi, parce que je trouve qu'il y a des accointances évidentes. Ouais. Un humour musical, parce que ça se prend pas trop au sérieux, même si ça essaye de faire des trucs très très carrés, propres et tout, mais il y a quand même on sent une joie de vivre, ce qui est pas toujours le cas dans ces musiques industrielles. Une envie aussi de faire passer des choses, et pas qu'au niveau des sensations, oui. Mais parfois aussi au niveau des messages, même s'il y a pas de texte.
Comment tu te positionnes, toi, par rapport à tout ça, sans partir dans les sujets tu politiques résumes... Non, mais tu résumes pas mal le truc. Il y a toujours... ça, effectivement, on le sent aussi chez David et Eva 3. Il y a quelque chose derrière, il y a un propos derrière. C'est pas juste t'allumes une disto et tu pulses du son, quoi. Dans la musique industrielle ou bruitiste, t'as aussi du propos, quoi. C'est hyper connu, quoi. Tu vois, ce genre de choses. Peut-être la différence, ou plutôt le point commun avec mes comparses, là, c'est peut-être d'essayer d'amener une sorte de composition, tu vois, là-dedans. C'est pas juste de bruitiste. En tout cas, c'est pas notre médium. C'est pas notre média de travail. Va y avoir un travail un peu décortiqué. Alors, David, on voit sur ses mélanges rythmiques, ses mélodies, les balaises. Moi, je suis assez fasciné par tout ce qui est rythmique. On a chacun nos trucs, si tu veux. Mais il y a effectivement toujours quelque chose. Tu vois, l'aube des chaos, tout est dans le titre. Hein. T'as tout dedans. C'est soit une humeur ou un sentiment du moment qui va être transmis en musique, soit un propos un petit peu plus large. L'ambiance cinéma, tu vois, c'était un truc sur des images de faux reportages qui avaient été passées sur Arte. En fait, c'est un truc sur les apparences, le mensonge, tu vois, ce genre de choses. C'était un travail là-dessus. Mais ça, tu vois, personne ne sait, quoi, tu vois. Tu peux faire ta propre interprétation de la musique. Mais on a quand même une ligne directrice, un truc qui nous emmène pour fabriquer quelque chose. Puis après, chacun fait ce qu'il en veut, quoi. C'est ça qui est génial avec l'électronique. T'imposes pas une image ou un message ou tu fais ton truc. Oui. Moi, j'ai une copine qui avait écouté l'ambiance cinéma, elle se croyait dans Apocalypse Now, quoi. Mais il y a quelque chose de très, très mental dans ton ambiance cinéma. On pourrait, pour ceux qui connaissent moins bien ta discographie, se poser la question, tiens, c'est bizarre quand même, il fait un truc qui est quand même assez ambiant, alors que il est plutôt dans la rythmique, les trucs plus indus, hardcore. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? C'est plus une commande, c'est un défi, c'est... Pourquoi ambiante cinéma? Ben, j'ai toujours adoré l'ambiante et dark ambiante, et puis surtout la liberté que t'as dans l'ambiante d'aller chercher des sonorités, fabriquer des sons, des choses. Et ça, c'est infini. C'est vraiment infini. J'adore ça, cette liberté-là. J'en ai pas fait beaucoup de travaux d'ambiance, mais j'ai quand même derrière la tête deux boulots. À l'extrémité, un autre projet ambiant, évidemment différent d'ambiance cinéma, et puis un autre projet beaucoup plus dur qui est dans les tuyaux là, que je suis en train de cuisiner chez moi. Mais c'était vraiment une phase. Ouais, c'est plus qu'un exercice, hein, ambiance cinéma. C'était vraiment essayer de travailler ce médium ambiante, cette matière ambiante. Et j'ai adoré faire ça. J'ai vraiment adoré faire ça. Et le côté touche à tout, si tu veux. C'est mon côté no limites. J'ai envie de faire un truc de techno, je vais le faire. J'ai envie de faire un truc de breakcore, je vais le faire. J'ai envie de faire de l'ambiance, je vais le faire. Tu vois, il y a beaucoup de chapelles dans ce milieu-là. Et moi, ça me saoule, je m'en fous. Tu vois, je fais ce que j'ai envie de faire. Oui, t'as pas envie de t'enfermer. Non. Non, t'es dans une expérience, tu vas prendre la palette que t'as sous la main pour traduire quelque chose, un sentiment ou un message peut-être, tu vois, et tu vas aller piocher. Si t'as envie de faire un truc soft ou mental, tu vas pas aller forcément dans du hardcore et inversement, tu vois. T'as besoin de toute cette palette, tous ces outils, et l'un nourrit l'autre. Quand tu commences à faire des mélanges, tu prends des nappes de drone que tu commences à balancer dans des trucs de hardcore ou des rythmes cassés, ça devient tout de suite plus intéressant, quoi. Tu vois, tu peux faire des tas de trucs comme ça. No limites. Voilà. Et nous marquons une première pause musicale, si tu le veux bien, avec un extrait de Carnage Room, le second maxi publié en 98, à moins que tu nous dises le contraire, sur Uncivilized World. Si ma mémoire est pas bonne, oui, c'est ça. Le morceau s'intitule Eclipse. Viennent ensuite deux morceaux sans titre, numérotés 03 et 09, issus d'Ambient Cinema, premier album d'Electroplasma, et première référence du label Iterbium, sorti en 1998. Ouais, on n'est pas si vieux que ça. Mais oui. We'll be right back.
Vous écoutez l'émission Tormentor Radio Show et nous sommes en compagnie de Nils du projet Electroplasma. Alors, on revient à l'interview après cette interlude musicale où on a découvert un petit peu tes accointances, hein, notamment avec Céloïd Mata à l'époque. Comment ça s'est fait ? Parce que toi, on le sait peu, tu as fait beaucoup de compilations. Hein. Tu as été un petit peu sur tous les labels de l'époque. Là, on parle donc de Noise Museum. Qu'est-ce qui t'a rapproché de Céloïd Mata ? Comment ça s'est fait tout ça ? Écoute, on s'était croisé avec Mathieu, je sais même plus où, je crois que c'était à Rennes, il me semble. Et c'est pareil, c'est un gars avec qui je m'entendais super bien. Je parle à l'imparfait, parce que ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, Mathieu. Je sais pas ce qu'il devient, je sais pas s'il a continué la musique et tout ça. Non, il a disparu complètement. Il a disparu, Mathieu. Et c'était un type vraiment super, pareil, très libre aussi, qui avait vraiment son. J'adorais ce qu'il faisait. Et on s'est retrouvés... Je crois, ouais, ça devait être par échange de mail ou un truc comme ça que ça a dû se mettre en place, ce truc-là, avec Noise Museum, avec qui il avait déjà des contacts. Il y avait aussi les gars du Tramic Made aussi qui traînaient là-dedans. Et je me suis retrouvé sur cette compilation. C'est pareil, le boss de la compilation a un petit peu disparu de la circulation. Je sais pas trop ce qu'il est devenu. Yann. J'ai le souvenir qu'il n'était pas toujours très réglo pour les compilations. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne, peu importe. Et on a refait donc vous allez certainement en parler, un autre projet avec Mathieu au travers de Jérusalem, sur le label de l'Arrêt de la Guerre, avec Yacine. Et c'était un vrai plaisir de faire ce truc, en fait, avec Mathieu. Et je regrette vraiment qu'il ait disparu de la circulation. J'aimerais bien le revoir. Voilà, on lui lance un appel. Hein. Mathieu, n'hésite pas, contacte-nous. D'ailleurs, nous, on serait très intéressés pour faire un spécial Céloïd Mata. Il y a quand même de quoi faire. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, en France, il était dans le top 5, on va dire, de ce qui pouvait se faire, notamment chez Noise Museum. Hein. Il a amené clairement un son bien français, bien à lui, très, très marqué, comme tu dis, assez facilement identifiable. Et puis il a fait aussi une collab avec je crois que c'est Philippe Munch, ça s'appelle Cell Automata. Tout à fait. Side Project. Donc ces morceaux, on va les passer un petit peu plus tard, mais revenons un petit peu sur cette période donc de la fin des années 90 qui est assez riche pour toi. Hein. T'enchaînes pas mal. Oui, ça bouge pas mal. Ouais. T'enchaînes pas mal de choses. Hein. À ce moment-là, il y a toute une flopée de maxi. Tu te retrouves chez Uncivilized World au tout début hein, du label. Tout à fait. Ouais. Tu fais aussi pas mal de live, alors comment tu sépares et qu'est-ce que tu... on n'a pas encore parlé de ça. Qu'est-ce que tu utilises à cette époque-là comme matériel en studio et comment tu adaptes ça sur la scène ? Alors, on avait à l'époque, c'était du hardware, que du hardware. Je me baladais, alors de mémoire, j'avais un sampler Roland, un S330, j'avais un Pulse Waldorf, je devais avoir une Tamaki, le précieux DP4, qui était une machine de guerre comme générateur d'effets. J'avais, à cette époque-là, je crois pas que j'avais la drum station, je devais pas avoir ça. Je devais avoir une 707 en boîte à rythme, un truc comme ça que je trafiquais, avec des distos. Qu'est-ce qu'il y avait encore là-dedans ? De mémoire, j'avais... Alors, les claviers, je les baladais pas avec moi, j'avais un Juno, mais celui-là, je l'emmenais pas en live. Et puis, que je me souviens d'avoir quelques compresseurs, des effets, tu vois, des trucs comme ça. Je me baladais avec deux racks, je crois, de mémoire, tu vois. Et puis, on se baladait aussi à l'époque avec des ordi, mais tours, quoi, tu sais, pour avoir le séquenceur. Ouais. Donc, tu avais ton écran, ta tour, ton bordel. C'était épique. L'époque où il fallait un coffre entier de matos. C'est ça. Et puis un jour, on a joué avec Laurent au Gibus, donc on avait préparé notre live. On crevait de chaud au Gibus, c'était effarant. Et je pense qu'ils avaient dû laisser le chauffage allumé, histoire que les gens picolent. Ils faisaient tellement... franchement, on dégoulinait de sueur. Et mon séquenceur, mon sampler, il n'a pas aimé. Et il a claqué au Gibus. Et je n'ai pas pu finir mon live. Et je t'avoue que là, ça m'a un peu saoulé, quoi. Parce qu'on était crevés, on avait chaud, on avait fait la route, on n'avait pas trop de thunes non plus, tu vois. Et ça ne s'est pas très bien terminé. Et là, ça a fait un déclic, ce truc-là, parce que, tu vois, on avait de la. On était attaché au matériel, c'est des choses de valeur, tu tiens, tu en prends soin, tu fais la maintenance, et là ça m'a saoulé quoi, tu vois, ça m'a saoulé. Ça t'a obligé à changer un petit peu, adapter, qu'est-ce que tu as fait pour pallier à ce type de problème ?
On a changé. Alors déjà, tu sais, on faisait, c'était, je travaillais la semaine et tous les week-ends quasiment, c'était des fiestas où on bougeait, etc. Tu vois. Mm-hmm. Donc il y a un moment donné, t'as une certaine fatigue qui s'installe parce que tu rencontres des gens super, mais tu rencontres aussi des boulets, tu vois. Et le tout combiné, à la fin, ça va commencer à devenir usant, quoi. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont passés par là. Il y en a plein qu'on dit à un moment donné, on en a ras le bol, quoi. Tu vois. Tu gagnes pas de sous, tu galères, etc. Alors c'était, on faisait pas la musique pour faire de la thune, c'était absolument pas le propos. C'était quand on ramassait un petit peu de sous, c'était pour acheter du matos. Toi, c'était pour investir sur du matériel, travailler du son, etc. C'était pas pour vivre comme des nadabs, on en avait rien à foutre. Mais du coup, quand tu peines un peu et que ton matos est cassé, ben ça le fait pas. Et du coup, j'ai commencé à un peu plus miser sur la partie virtuelle. Donc moins de coûts de maintenance et puis beaucoup moins chiant à trimballer pour travailler, mais tu perdais quand même un petit peu de liberté, quoi, au niveau de la manipulation des sons. Aujourd'hui, avec les contrôleurs, on retrouve cette liberté, ce qui est assez génial, quoi. Assez génial. Oui, et puis il n'y a pas le côté fun de tripoter, hein, les machines. C'est sûr que le soft, c'est quand même moins sexy, quoi, hein. On était à quelle époque là? Là, t'as passé 2000 à l'aise, hein, parce que c'était entre Mechanical, je dirais entre 2000-2004, un truc comme ça, tu vois. Si je te dis pas de bêtises. En fait, au moment où tu arrêtes à peu près de produire. Ouais, parce que ça s'est vraiment calmé là, les sorties et tout ça. Ouais, ça doit être ça, ouais, je pense que t'as raison. Ça doit être vers cette époque-là. Bon, entre-temps, on était quand même passé à la loco, tu vois, on avait fait des trucs assez dingues, hein. C'était génial. On avait croisé des mecs comme Annibaldi, les Boucles étranges, il y avait qui Sacha, enfin, tu vois, il y a plein de gens incroyables qu'on a côtoyés. C'était fou, hein. Ce qui était fabuleux, c'est que t'avais des gens brillants. Si je prends l'exemple d'Annibaldi, tu vois, qui a fait des choses absolument fantastiques. Tu parles et de Léo, hein. Et puis tu bois des coups. Léo Annibaldi, ouais, tout à fait. L'italien. Et tu bois des bières en racontant des blagues, quoi. Tu vois, t'hallucines quand même, c'est hors sol. Ça a permis ce genre de choses, cette époque-là. C'était vraiment fabuleux, quoi. Ouais, mais le public de l'époque, alors autant dans les années 90, hein, quand tu commences, où est-ce que tu vas écouter de la musique en concert, en live, etc. Jusqu'à ce moment-là où tu es à Paris, à la loco, au Gibus, etc. Mais comment ça évolue? Comment est le public? Écoute, on a commencé forcément, nous, dans la région Pays de Loire, tu vois, à traîner beaucoup. On avait des potes qui organisaient des petites soirées. Nous, on en a organisé tout début, bien avant tout ça, tu vois. C'était une ambiance, le techno-spirit, on l'a bien connu, quoi, si tu veux. Ce côté super cool avec des gens qui avaient le smile, qui était là juste pour la teuf, toute classe confondue, tout milieu confondu, c'était magique. J'ai gardé ça vraiment imprimé dans mon ADN, ce genre de choses, ce que ça a été. Et puis après, bah écoute, ça a grossi, mais il y avait des teufs partout, quoi, autour de Rennes, autour de Nantes, un peu plus loin, un peu plus près, c'était incroyable. Et beaucoup de rave, ouais, énormément. Mais là, en tant que public, et puis là, forcément, quand tu connais les DJ, tout le monde, là, cette petite faune, etc., bah tu papotes, tu fais des rencontres, tu parles musique, etc. Et c'était délirant, quoi. Sur Rennes, on avait toute une bande de potes. Il y avait aussi tous les gars de l'Ultimatum, qui était un fanzine. Et Guénel, Claude, Sid, que vous devez peut-être connaître aussi. Mais bruit de fond. On suivait bien. Enfin, moi, je lisais beaucoup l'Ultimatum. Ouais, c'est un super webzine, ça. C'est les tout débuts, d'ailleurs, des webzines de l'époque. Hein. Il y a pas grand monde à l'époque. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Il y avoir 4-5 webzines faits par des furieux. T'as connu connu Cyborg Station à Rennes, par exemple? Je sais pas. À fond. En fait, je l'ai bien connu parce qu'en fait, Yacine, c'est lui qui a sorti, L'Arrêt la guerre. D'accord. Donc on se connaissait très très bien. D'accord. Moi, j'habitais à quelques mètres de son magasin, si tu veux, à Rennes, et j'allais l'emmerder tout le temps. Bonjour Yacine, t'as quoi? T'as de la thune? Non, mais bah écoute, c'est pas grave. Il fait partie de tous ces gens fantastiques que j'ai pu rencontrer. Autant Stéphane, c'est mon super mentor, tu vois. C'est le big boss. Et Yacine est juste après, quoi, si tu veux, en termes de tout ce qu'il m'a apporté, appris. C'était assez monstrueux, quoi. D'avoir un magasin comme ça à côté de chez toi, c'était une dinguerie, hein. Vraiment. C'était une richesse infinie. Tu sais ce qu'il est donc devenu? Ouais, Yacine, ouais.
Je l'ai recroisé au Crash Nose l'été dernier. Il bouinait je sais plus quoi, mais il est toujours vivant, il a toujours le même sourire, j'ai l'impression qu'il a pas vieilli, et il est toujours aussi cool. Mais, donc avec un peu de pause, si vous allez à la Crash Nose en Bretagne cet été, vous allez peut-être le croiser. T'as les dates, ça ? J'ai pas vu tourner l'info, d'ailleurs. Alors, c'est en juillet, je crois, mais je sais pas s'ils ont sorti la date précise, mais essayez de les choper sur soit le Club Del Crash ou Crash Nose sur Facebook et tu pourras être au courant des dates. Ça doit être la 11e Crash Nose ou un truc comme ça. D'accord, ouais. On l'annoncera, je note. Oui, ça vaut le coup. Et tu vas jouer Alors moi j'ai joué l'année dernière. D'accord. Là-bas, donc j'avais découvert ça par je sais plus qui, j'y suis allé, je me suis bien marré, c'était bien sympa. Du coup, ils m'ont proposé de jouer l'année dernière, je suis allé avec plaisir. Et puis cette année, je sais pas si j'y retournerai ou si j'y jouerai, mais peu importe, tu vois, l'essentiel c'est que la fête soit là, avec ce petit groupe de fous furieux. Et puis si vous y allez, dites-moi, on se retrouve là-bas. et quand est-ce que tu as fait ton grand déménagement de l'ouest vers l'est ? Alors, j'ai jamais bougé vers l'est. J'allais, par contre, en teuf vers l'est. D'accord. Je suis toujours resté, si tu veux, entre Rennes et Nantes. Mais j'allais souvent voir les copains, tu vois, Dijon, Nancy, Strasbourg, Metz aussi. Parce que j'y étais chaleureusement invité, ben, grâce à Stéphane, notamment, avec toutes les fêtes qu'il organisait. Et là, on a des souvenirs assez dingues, hein. Notamment, je me souviens d'un truc à la laiterie, là. Avec Laurent, la neige tombait, il y avait une tempête, je me dis c'est mort, il n'y aura personne. Mais en fait, c'était sans compter le peuple de l'Est, qui est un peuple de fous furieux, quoi. Ils sont venus sous la neige, en bagnole. Ils étaient, mais chauds de chez chauds, quoi. Je me suis jamais autant marré, je crois. Aller chercher un peu de chaleur humaine dans le grand froid. Ouais. Le public nantais, le public de l'Ouest ici, et particulièrement à Nantes, et le public de l'Est, c'est pas la même chose, hein. Moi, j'adore aller là-bas dans l'Est, c'est des mangeurs de clous, quoi. Ils adorent ça, hein. C'est des fous. Ils sont super. Ils sont vraiment super. Alors, Nils, en attendant de prendre le chemin de la Crash Nose, nous allons prendre le chemin de la musique. Avec, pour commencer, un remix par Electroplasma d'un titre du projet français Celluloid Mata, dont nous vous avons parlé au cours du dernier quart d'heure, donc alias Mathieu Maire, dont on n'a plus de nouvelles depuis très longtemps. Le morceau, c'est Bimbo No Way, extrait de l'album de remix Mix Oscillations, publié en 1998 sur le défunt label Noise Museum, fondé par Yann Farsi. Mix Oscillations faisait donc suite à l'album Bimbo Oscillations et a été notamment masterisé par l'incontournable Eric Van Vontergem, si je ne m'abuse. Le morceau suivant est sans titre, il est extrait de Jérusalem, un split 12 pouces avec Celluloid Mata, publié sur le petit français label L'Art et la Guerre. Et le troisième et dernier titre de cette sélection s'intitule Blood Flow. Il est extrait du second album Mechaniballs, sorti en 2004 sur le label YB70. Dédoublement d'Iterbium, fondé et géré par DJ Chaos.
Vous êtes dans l'émission Tormentor Radio Show. Nous sommes ce soir avec Nils du projet Electroplasma. On revient donc sur cette seconde partie du début des années 2000, donc on va dire 2004-2008, où tu commences, comme tu le disais, un petit peu à te calmer, bien que tu fasses encore de temps à autre des festivals à droite à gauche. Tu t'investis aussi pas mal dans les, peut-être même un peu plus, dans les, la distribution de morceaux, on va dire, pour les compilations, pour les potes, à droite à gauche, hein, avec une multitude de compilations. J'ai découvert ça d'ailleurs en préparant cette interview. Il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Il y en a un que j'ai recherché dans ma propre discographie qui m'avait marqué à l'époque. Je dois dire que j'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que c'est Stéphane qui me l'avait conseillé. C'est le célèbre Marteau de Verre et qui, pour ceux et qui ouais. s'en rappellent, est un CD qui est entre deux plaques de verre avec un calque, avec de l'encre un petit peu, ça fait un petit peu 70. C'est, ouais, c'est du calque imprimé, ouais. Ouais, du calque imprimé. Très bel objet, très fragile, mais superbe objet sur lequel on retrouve quand même déjà à l'époque des grosses pointures. Hein. Il y a du Winterkelte, il me semble qu'il y a du CLU de Mata aussi. Il y a toute une liste d'artistes de l'époque, de cette scène qui émerge, hein, en 80, on va dire 95, 2015, ouais. 2005. C'est les super bonnes années en France. Hein. Ça n'arrête pas, on en prend plein la gueule. Une foison de production démentielle, aussi bien chez nous que chez nos compatriotes germaniques. Ça sera peut-être un peu plus long d'ailleurs pour cette scène-là un petit peu industrielle du côté des Anglais et des Américains qui viendront un petit peu plus tard sur ce type de son. Eux, ils sont plus techno straight, on va dire. Puis ils ont des gros labels type Warp, Reflex, tout ça. Aux États-Unis, il y a déjà chez les grosses machines. Ouais, des grosses machines. Donc sur le son un peu techno-industriel, ils seront peut-être un petit peu décalés par rapport à nous. Ça a l'air d'être quelque chose de plutôt franco-germanique, je dirais. Avec la Belgique. Et... Voilà, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est Belgique, France, Allemagne, hein, clairement. Et j'aime bien ce parallèle, tu sais, avec les grosses mécaniques. Si on prend l'extrémité des trucs comme Warp, etc. Alors effectivement, c'est prestigieux. Tu les vois à la télé, on écrit des livres dessus, etc. Et pour cause, c'est tout à fait justifié. Mais moi, je préfère me mettre dans la catégorie des marteaux de verre, tu vois, ou des YB, parce que t'as une liberté totale. Tu rencontres des gens, d'abord on parle de sourire et d'amitié, avant de parler de business, tu vois. Ouais. Et c'est pas du tout le même... on n'est pas au même étage, si tu veux, tu vois, avec ces gens-là. Tu vois, dans un truc comme Marteau de verre, effectivement, tu vois du Winterkelte, tu vois du Akamazot, tu vois du Ultra Micmate, tu vois des toys bizarres, tu vois des gens comme ça, mais au milieu, t'as des espèces de branleurs comme moi. J'ai un copain, Fax, qui est dessus aussi, tu vois. Mmh. Et c'est ça qui est magique, là-dedans. C'est deux mondes vraiment différents. On parlera des derniers projets. Toi, tu fais des morceaux pour filer des coups de main à des labels. Ça te rapportera pas un radis, mais t'en as rien à foutre, quoi. Tu fais vivre la musique. Tu t'apportes quelque chose pour que des gens qui s'investissent puissent faire leur petit label... transmettre le message, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Cet étage-là, moi, il me va très bien. Il y a une toile qui se tisse, il y a un réseau qui se construit avec des gens qui, pour beaucoup, hein, sont encore tous interconnectés au fur et à mesure des années. On va dire qu'on se connaît tous. Si c'est pas physiquement, c'est au moins virtuellement. On s'écoute les uns les autres. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus humain. Sur le, on va dire en Europe, par rapport à ce qui se fait en Angleterre ou aux États-Unis, où effectivement là c'est clairement plus des grosses machines, comme tu le dis, et puis il y a un besoin de rentabilité qui n'est pas vraiment le moteur qu'on a en Europe. On n'a pas envie de perdre du pognon, évidemment, mais si on en gagne peu ou pas grand chose, c'est pas grave. L'essentiel c'est de faire de nourrir la machine et de continuer à avancer, quoi. C'est vrai qu'il y a un décalage, hein, entre les deux mondes. Tu dis deux choses très importantes. Tu as dit le mot-clé, déjà, c'est l'humanité. S'il y a bien quelque chose dont on parle au travers de cette musique-là, c'est ça. Et certains ont perdu un peu ça, tu vois, au fur et à mesure des années. Il faut pas le perdre. Pourquoi on fait tout ça ?
pourquoi on fait cette musique, qu'est-ce qu'on raconte. Tu vois, si c'est pas d'abord du respect, de la bienveillance entre nous et vis-à-vis de ceux qui écoutent, tu vois, on fait cette musique-là pour eux. Et quant aux gens qui investissent, qui prennent des risques, là, une fois de plus, on va parler de Stéphane, parce que tu vois, quand il sort des vinyles, quand il sort des CD, ou tout, aujourd'hui, ou toutes les cartes sont rebrassées avec du Bandcamp où tu vas gagner 4 euros et tu vas perdre du fric. Tu vois, clairement, c'est pas une machine à pognon. Ça, c'est vraiment des gens pour qui j'ai un profond respect parce qu'ils mouillent la chemise, ils perdent de l'argent parfois, mais leur credo, c'est faire vivre la musique, faire vivre cette culture électronique. Et ça, je vais te dire, j'ai un respect, mais absolu pour ça, quoi. Et c'est pour ça que je me suis toujours entendu à mort avec Stéphane et tous ces gens qui s'investissent. C'est incroyable. Faut vraiment être conscient que il y a des trous dans la raquette budgétaire, tu vois. C'est dur aujourd'hui de produire de la musique. Mais il le fait quand même parce qu'il a un credo, il a un objectif, un but et des convictions. Et ça fait du bien. Ça fait du bien dans ce monde-là. C'est plus qu'un ADN, hein. On est d'accord, c'est plus qu'un ADN. Ah oui. C'est une conviction profonde, c'est une vision aussi, hein, clairement, où ces gens-là savent à peu près où ils veulent aller, même s'ils ne veulent pas s'enfermer dans un style ou l'autre. Hein. Heureusement, en plus, Chaos, il a cette facilité, comme il bosse dans la musique et dans les magasins de disques à l'époque, il a cette ouverture assez grande et cette capacité qui est assez sidérante. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on est devenus très très vite amis. C'est cette capacité à comprendre ce qu'apprécient les gens, ce qu'ils cherchent, et à être capable de les aiguiller très rapidement en disant « Attends, j'ai reçu ça, c'est sûr, ça va te plaire. » Et très rarement, il se plante. Hein. J'ai pas le souvenir d'ailleurs qu'il se soit... Ah mais il est incroyable. Ouais. Il est incroyable, Laurent. Moi, je me pointais à Paris, je sortais de la gare, direct j'allais à Bastille, et voir « Salut Stéphane, ça va ?» Et j'avais une pile prête. je fouillais même pas dans les bacs. Il me dit « Il faut que t'écoutes ça. » Bam. Ouais. Il m'a formaté la tête, tu vois. Et mais c'était mais jamais de la vie, tu vois ça, quoi. Tu vois, c'était fantastique. Il me dit « Bon, toi, il faut que t'écoutes ça. » Alors, en plus, je sais qu'il devait peut-être ressentir un potentiel, donc il me poussait vers des trucs, tu vois. C'est un malin, Stéphane, aussi. Hein. Ah ben oui, en plus, mais il t'aiguille. T'es dans le jeu, c'est génial. C'est dans le jeu, mais ça veut dire qu'il t'a calculé, il t'a capté, il sait ce que t'aimes, ce que tu cherches, etc. Mais ouais, je peux aller en deux fois, il papote avec toi, il te fait écouter des trucs, il t'a capté, et c'était terminé, quoi. Et là, j'avais mes piles de trucs qui m'attendaient chez Wave, c'était fou, c'était fou. J'ai bien connu ça, j'avais mon petit carton aussi qui m'attendait chez Steph. C'était fabuleux. Ouais, mais c'est ça qui est bien, tu aussi, vois, c'est parler, un tel plaisir. Je vais dans mon dos. Moi non, ouais. Moi non, moi j'avais pas ce privilège. Mais dès que je rentrais, il venait, puis il sortait deux trois disques de rayon en me disant tiens vas-y écoute ça. Donc il y avait toujours voilà, il connaissait les goûts de ses clients. Oui, il faut dire que c'était quand même des fans hardcore. On n'allait pas par hasard chez Stéphane. On savait plus ou moins ce qu'on avait envie d'y trouver. Et lui, il permettait d'affiner ce type de recherche. Voilà. Et puis comme il organisait beaucoup de concerts à l'époque, ça permettait aussi d'aller découvrir de nouvelles choses, parce qu'il faut dire qu'il y a plein de choses qui sont arrivées à Paris. On n'aurait probablement jamais eu... Et ça fait boule de neige, hein, jusqu'à la locomotive. Quand D-Side a commencé à s'intéresser à ce type de sonorité aussi, elle a fait quelques petites scènes, même si c'était pas non plus phénoménal. Enfin, c'était pas gigantesque, ça restait quand même assez familial, on va dire, dans cette scène française. On se connaissait. Oui, mais ça a imprégné, tu vois, toutes ces petites touches vis-à-vis de Benjamin, de toi, de moi, etc. Et puis qu'il a répété partout, il a diffusé cette musique, tu vois, ça nous est rentré dans la tête, etc. Et ça écrit l'histoire, finalement. Quand tu multiplies tout ça écrit l'histoire, tu vois, sur l'électronique. Il n'y aurait pas eu tous ces mecs-là. Aujourd'hui, on sera encore en train d'écouter de la musique de merde, tu vois. Et ça fait du bien qu'il soit là, c'est important qu'il soit là. Alors toi, tu tournes, t'as tourné pas mal. Quels sont tes plus beaux souvenirs? Où est-ce que t'as été où tu t'attendais pas à te retrouver? Qu'est-ce qui, dans ta mémoire, est resté après tout ça dans les scènes que t'as pu... Il y a plein de trucs. Mes bons et beaux souvenirs, c'est beaucoup, beaucoup des soirées avec Stéphane et toute la bande de fous furieux. Les Belges, les gars de l'Est, tu vois, tous ces gens qu'on a côtoyés ou à Paris, ou au Glazar, des trucs comme ça.
Et puis des trucs assez folklore, je me suis retrouvé dans une énorme teuf, je me souviens même plus comment ça s'appelait, où t'avais monsieur le ministre de la Culture qui était là, Jacques Lande, avec son verre de champagne, tu vois, en train de boire des cocktails et de faire des grands sourires. Et là, tu te dis, mais putain, je suis où, quoi? Et là, tu te dis, ok, mort de rire. Et du coup, bah là, tu fais un son bien dégueulasse. Bien énervé pour bien foutre la merde, tu vois, des trucs comme ça. Et puis voilà, là il y a eu tellement de soirées, hein. Ce que je retiens vraiment, ouais, c'est ces histoires humaines, tu vois, c'est des crises de rire avec Isoloscope, se faire des grimaces comme des gamins de 4 ans, avec Kiron qui était DJ et qui traînait avec nous dans les soirées Glazar, etc., qui était un peu comme notre maman, tu vois, qui disait, mais arrêtez, vous deux, on aurait dit deux gosses, mais bon, habillés en tenue goth, quoi, tu vois, c'est là où il y avait un truc qui allait pas, quoi. Des blagues de potache, et puis après, tu vois, voilà, tu vois, c'était de ce niveau-là. Et puis, une fois sur scène, t'avais une espèce de musique fou furieuse, là, ça rigolait plus, tu vois, qui était envoyée, quoi. Et c'était ce monde de contraste, comme ça, entre l'humanité et les messages que tu donnes. Et puis, bien sûr, tous ces gens extraordinaires avec qui on a discuté, qui venaient écouter notre musique, ce qu'on appelle le public. Mais moi, je dis, c'est des personnes avec qui tu discutes. Alors, des fois, ils étaient en plus ou moins bon état, hein. Ils étaient parfois un peu défoncés, un peu bourrés, tu vois. Mais c'était toujours assez fantastique, quoi. Les années 90-2000, on était encore dans des périodes plutôt cool, hein. On se rendait pas compte de ce qui allait nous tomber sur le coin de la gueule quelques décennies plus tard. Donc on était dans la lune. Ouais, on peut en profiter, hein. Saluer Kiron, évidemment, une amie du podcast, ouais. Que nous avons invité une fois, il y a bien longtemps de cela. Ah, et ouais, il faut aussi signaler qu'elle a elle-même régalé nos oreilles de quelques soirées de l'époque Codex. Oui. Et qui a fait venir pas mal d'artistes. Alors, au club, je me rappelle d'un mix de Laurent O au club, mais alors je sais pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre qui l'avait booké. Bonne question. Ce qui est sûr, c'est que Chaos a été de. Ah, je me rappelle qu'il était au sous-sol, deuxième sous-sol, ouais. à balancer des sons dans tous les sens. Je l'ai connu aussi. Enfin, il a mixé à peu près partout. Hein. D'ailleurs, j'en profite, hein, puisque c'est la soirée. Kiron, si tu nous entends et que tu as envie de nous balancer un mix, hein, tu es bienvenu. Voilà, je sais que t'es plus très très active. Et là, voilà. Mais elle est très occupée, donc bon, on croise les doigts, bon, ça viendra un jour. Ah, ça serait sympa. Mais ouais. Allez, Christelle, en souvenir au boulot. Du bon vieux temps. C'est clair. Nous allons peut-être attendre un éventuel appel, et pour cela une nouvelle pause musicale s'impose avec une sélection de 3 titres. Tout d'abord Daily Hell, extrait de Mechaniballs, qui, comme on l'avait déjà indiqué, est sorti en 2004 sur YB70. Puis un autre remix, cette fois-ci un morceau du projet de David Vallée Lit, qui s'appelle Escape Destructured Mix, qui est issu de l'album Gaia, publié chez Brume Records en 2006, le label de Gwen Trémorin. Enfin le morceau intitulé Inferno, extrait de la compilation Parasite, compilation commémorant les 12 ans des soirées et concerts Seppuku et Parasite. La compilation a été éditée dans une première version en CD en 2005 et a été rééditée avec une tracklist légèrement modifiée en CD en 2007 par YB70 et sur double vinyle en 2008 par le label Monkey Tool, créé par Toolbox Records, et je crois qu'il y a un magasin aussi qui traîne du côté de la rue Saint-Ambroise.
De retour dans l'émission Tormentor Radio Show pour la dernière partie de notre entretien avec Nils du projet Electroplasma. On vient d'écouter donc ce qui était logique, hein, puisque c'était déjà une personne que tu fréquentais, avec qui tu avais des accointances. Donc c'était logique de te retrouver sur cet album Gaïa, sorti comme tu disais sur la Belle de Gwen, qui est le célèbre projet d'Arc Ambiante que tout le monde connaît, qui est chez Enzen, bah, de Gwen Tremblay. Tu parles de Fingers? Oui, voilà, bah oui. Et qui a sorti quelques petites productions d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, qui tourne aussi, qu'on a vu nous l'année dernière en première partie de Young Gods d'ailleurs. Nous avons eu le plaisir hein, d'avoir toutes ces personnes derrière les micros, dans l'émission. Il nous a fait même un petit live que vous pouvez retrouver sur notre Bandcamp
Pour l'un et l'autre, hein, pour David Vallée et pour... Et pour Gwen, tout à fait. D'ailleurs, on les salue. Que des gens bien. Voilà, que des mecs sympas. Et donc, oui, cette compilation où on retrouve beaucoup de super bonnes choses, hein, effectivement, rééditées plusieurs fois, la compile Parasite, je pense que ça, c'est d'ailleurs, ça nécessiterait une suite, si Stéphane nous entend. Je sais qu'il avait fait une autre compilation. Alors, on va essayer de le convaincre. Ouais, c'est vrai que c'est toujours difficile, surtout en ce moment, hein, où on voit un petit peu tout ce qui se passe. J'ai même découvert ce week-end qu'il y avait des gros distributeurs de VPC qui fermaient, y compris chez les Allemands, il y a la fermeture de Infraroute, qui était une plateforme qui vient de fermer, qui était rachetée par Out of Line. Et moi, je connais ça depuis quasiment le début des années 90, ça fait plus de 30 ans que je commandais chez eux. Donc ça me gonfle un petit peu, d'autant qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose que des attrapes Nigo, pour rester poli, comme ça, sur Discord. On perd du savoir, on perd des sachants, on perd du savoir, on perd de l'expertise dans ces domaines-là. Et tout ça au profit de plateforme, tu vois. Et c'est un peu relou, quoi. Un peu relou. Oui, et puis. Je vois pas trop l'issue de ça, quoi. Non, et puis il y a toujours cette frustration. Alors, moi, je suis toujours content d'écouter des nouveaux morceaux, mais ça me gonfle vraiment d'être assis derrière mon bureau et pas pouvoir écouter quelque chose de physique. J'ai encore besoin, alors je sais que je passe pour un vieux con, hein, mais j'ai encore besoin d'avoir un CD ou un vinyle, de pouvoir me l'écouter sur ma chaîne. Tranquillement dans ma chambre. Un album, c'est pas que ton contenu musical, c'est un ensemble. C'est un travail graphique, c'est un travail de composition, etc. C'est un tout, un album, tu vois. Et le fait, effectivement, d'avoir de la démat, ce côté 2D, en fait, si tu mets tout le temps à la 2D, tu perds quelque chose. Quand t'as un objet, t'as quelque chose en trois dimensions dans les mains sur lequel tu peux jouer au niveau artistique, et ça, tu le perds. Et ça, on pourra pas nous l'enlever, hein. C'est une évidence. Oui, j'ai même... Dans ton sens, il y a quelque chose de pas sexy dans le fichier digital que t'as sur ton disque où t'en as des tonnes et en fin de compte ça te casse les pieds d'aller chercher, regarder des listes de noms. Il y a pas de quelque chose de concret, alors que quand t'es devant ta petite discothèque, tu regardes tes pochettes. Ah tiens, celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Puis tu regardes à nouveau les infos qu'il y a dessus. Enfin, tout ça, ça se perd et c'est pas stimulant, je trouve. J'ai l'impression que c'est la même chose pour toi. C'est clair. Tu consommes encore beaucoup de musique, complètement, toi, personnellement. Moi, j'ai dans... De physique. Alors, j'ai dans le dos toutes mes colonnes de CD que j'ai chopées grâce à Stéphane. J'ai toujours dans un coin de la maison les vinyles et je les garde, tu vois. C'est un truc, je les ai au contact tout le temps, ces trucs-là. Parce qu'effectivement, on a du digital, on a forcément du digital, mais il y a un mais. Et ça me fait plaisir de ressortir mon petit CD, de le mettre dans mon petit lecteur et de le lancer, quoi. Alors, effectivement, elle est peut-être du vieux con, hein, mais ce rapport à l'objet qui a été façonné n'est pas le même qu'un machin digital qui n'a pas de matière, qui n'a pas de consistance, si tu veux. Alors, ça n'enlève rien à la qualité sonore et au propos et au travail, à la compo, évidemment, mais il manque un morceau, quoi. Il manque de l'âme un peu là-dedans. À propos, puisque on en est à discuter de nos collections de disques, outre les musiques électroniques, industrielles, techno, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt en termes de musique, en termes de style? J'aime bien certains travaux d'Arvo Part, par exemple, ce genre de choses. Paradoxalement, des fois, ça va être des classiques, des gros classiques qui vont être intéressants, genre Dissaval ou des trucs comme ça. Et puis des choses complètement à l'extrême, tu vois, au travers des découvertes que j'ai fait avec Stéphane sur beaucoup en ambiance, j'en écoute pas mal. Surtout ces derniers temps, j'en écoute plein. Et puis On veut des noms, on veut des noms. Qu'est-ce que j'avais en anglais? Figure-toi, cette semaine j'ai ressorti les vieux Aphex Twin, tu vois, pour te dire. Où je suis reparti, tu vois. C'était les Selective Ambient Work, tu vois. Je suis retombé là-dessus, parce que j'avais justement en CD ce machin-là, tu vois. Et puis il y a aussi des travaux de Scanner, que j'aime beaucoup. Ah oui, génial. Robert Rimbaud, tu vois, ce genre de truc. J'ai ressorti un CD de Thomas Dimudio aussi, qui est mortel. C'est un double CD juste dingue, c'est un vieux truc, mais c'est inénarrable, ce truc. Il y a le Pylon de Lit aussi, que j'ai écouté, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai écouté ces derniers temps?
J'ai réécouté, c'est du Dzingui, mais c'était du coup c'est pas de l'ambiance, mais ça j'ai réécouté des trucs comme ça. Un peu de somatique aussi, de somatique responsive de temps en temps, ça m'arrive. Mais pareil, c'est pas de l'ambiance non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, assez régulièrement dans la bagnole, t'as du Kraftwerk, tu sais, pour le retour aux sources. Y a un truc que j'aime bien écouter aussi de façon assez régulière, c'est l'acide Penthouse. Ah oui. Aussi, ça c'est intéressant. J'ai aussi des trucs de mon beau-frère qui fait la musique, qui a créé un album qui s'appelle Double Bind. C'est un truc qui s'appelle le Faux Ensemble. Lui, il fait de la musique avec un tout barré, avec des boucles parties d'un violoncelle, des trucs comme ça. Bah, tu vois, c'est vraiment hétéroclite à mort, quoi. C'est vraiment plein de trucs. Et il y a le Paraphysical Cybertronic de Praxis. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ce truc-là. Oui. Je l'ai ressorti des rayons, celui-là, il y a pas longtemps. Paraphysical Cybertronic, c'est un truc bon label. Ouais. Encore quelque chose qui a disparu. C'était carrément. Donc tu vois, c'est une espèce de micmac. C'est un peu comme la musique, tu vois. Quand t'as envie d'écouter un certain truc à un certain moment, à un instant T, ben tu le prends et puis tu l'écoutes. Et ça peut être ambiante, rythmée ou pas, dur, pas dur, voilà. Donc c'est vraiment très très hétéroclite. Il y a aussi les passages des travaux de Pierre-Henri, tu vois, des trucs comme ça, notamment, une époque. Musique au tout début, j'aimais beaucoup Sigur Rós aussi, ouais, tu vois, des trucs comme ça, parce qu'il y avait, des recherches intéressantes. Vroom aussi, que j'aime bien. Vroom, c'est vraiment mortel. Ça, on en a passé. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, tu vois, c'est des trucs. C'est mainframe. Hein. il y en a tellement, je vais te dire. C'est de la folie, quoi. Et la question classique que je pose souvent, côté cinéma, qu'est-ce qui t'a influencé pour ta musique? Quels sont les trucs qui, pour toi, ont été marquants et t'ont donné envie de faire quelques morceaux Ou est-ce que le cinéma t'influence pour ta musique? Oui. Alors là, tu vises un coin secret, mais effectivement, oui. Je dirais dans les trucs les plus barrés, c'est un petit peu évident, c'est tout ce qui est Lynch, là, les influences de Lynch là-dedans, où ça, c'était marquant, parce que c'est quand même un mec qui a été loin dans un cinéma qui est quand même diffusé, qui a été loin. Donc on a tous vu des films comme Eraserhead, ou Elephant Man, ou Sailor et Lula, et j'en passe, tu vois, ou Lost Highway, des trucs comme ça. C'est toujours des films que tu vas regarder. T'es pas obligé de tout capter au départ. Tu peux rester comme deux ronds de flanc, quoi. Tu vois, quand tu vas voir ces films. Mais il y a un truc dans son cinéma, ça te reste dans la tête. Et très souvent, tu vas voir des films, le lendemain, tu t'en souviens même plus. Là, ça t'imprime la tête et tu gamberges, quoi. Tu vois, il y a une espèce de phénomène là-dedans qui est assez extraordinaire. Et puis, il y a eu plein de films... il y avait Altered States, il y a eu des films comme L'échelle de Jacob aussi, qui est bien barré. Ah oui. Tu vois, des trucs comme ça, enfin, c'est pareil, il y en a plein. Là, j'attends impatiemment une série Netflix qui va sortir, qui va être Le Problème à Trois Corps. C'est une série inspirée d'une trilogie de science-fiction super connue, qui est hyper mortelle. Ah oui, je sais pas si... Moi, je l'ai lu. Ça, c'est du côté un peu... Ah, bah vas-y, raconte-toi. C'est mortel, hein. Impossible de raconter ce qui se passe, mais c'est un des histoires, une histoire qui est assez effrayante, en fait. Ah, mais carrément. Ouais, j'ai rarement lu quelque chose qui te laisse comme ça dans un état de terreur. De terreur existentielle. C'est incroyable. C'est fabuleux, ce truc. Voilà. On est confronté vraiment à notre minuscule... À notre petitesse et à notre insignifiance. Ah, c'est exactement ça. C'est ce sentiment que j'ai eu en lisant ces trois bouquins, tu vois. Et c'était, je crois, le premier, c'était La Mort Immortelle, si je te dis pas de Ça, c'est le dernier. Le premier, c'est Le Problème à Trois Corps. Donc ensuite, il y a La Forêt Sombre. Le Problème à Trois Corps et le dernier. Hein. La Mort Immortelle. Voilà. C'est qui a raison. Et c'était en Liu Cixin, si je te dis pas de bêtises. Oui, exactement. Et là, vraiment, tu vois, ce genre de truc. Avec ma fille, on a été voir Dune, le dernier Dune aussi, tu vois, dans Super Kiffé. C'est pas du cinéma de tout chelou, hein. C'est un cinéma de grands espaces, de SF, etc., que j'aime bien. Puis après, on va aller chercher aussi des choses plus étranges. Là, on avait la chance d'avoir un cinéma à Nantes, au 14A.
où j'avais un copain qui animait en fait une espèce de truc incroyable d'OVNI qui s'appelait l'absurde séance. Et là, t'avais que des films barrés, débiles, sanglants, barrés, malsains, etc. Et là, il te sortait un cinéma que tu voyais jamais, quoi. Tu vois, où les gens étaient debout dans la salle, applaudissaient. Enfin, c'était un truc incroyable, quoi. Un peu à la Rocky Horror Picture Show, quoi. Et là, grâce à lui, j'ai vu des dizaines et des dizaines de films complètement affolants, quoi. Là, on a vu du coréen avec Lille. On a vu, c'est là où j'ai vu des films comme Audition. Tu vois, des trucs comme ça. Où tu fais des découvertes, pareil, hein, des gens un peu comme toi qui font des choses barrées dans leur coin. Tu vois. Et ça, c'était intéressant. Donc, ouais, le cinéma, on pourra en parler. Il faudrait 3 émissions de Tormentor, tu vois, parce que tellement il y a des films. On va peut-être revenir sur ton retour à la scène musicale, puisque au cours des 2 dernières années, un maxi, un album nous sont parvenus. Et qu'est-ce qui explique cette résurgence d'Electroplasma et ce gap? Bon, le poète. Tu as eu un enfant, peut-être est-ce un début d'explication? Eh oui, absolument. En fait, c'est une conjonction de choses. Il y a eu comme on en parlait tout à l'heure, de l'usure à un moment donné. Tu dis, bon, j'en ai marre. T'as la vie qui te rattrape, hein, qui n'a pas toujours été forcément très simple. La naissance de ma fille, qui a aujourd'hui 14 ans. Des séparations, des déménagements, des trucs, tu vois, chiants, etc. Le boulot aussi, beaucoup, qui malheureusement influence un peu ce qui se passe. Et puis, il y a aussi des choses bien. Donc, j'ai rencontré mon épouse, qui, elle, est intervenante en musique, si tu veux. Et donc, de fait, tu te retrouves avec quelqu'un qui manipule de la musique toute la journée, des petites choses, du travail, etc., quelqu'un qui sort du conservatoire. Et puis, ben, tu commences à reparler musique, mine de rien. Et puis, petit à petit, ben, ça te redonne envie, tu vois. Et puis, t'es avec quelqu'un qui t'emmène dans une dynamique, qui te réemmène dans une dynamique de création et de travail. Et puis, à côté de ça, ma fille grandit, elle est un peu plus autonome, etc., etc. Et du coup, tu retrouves un petit peu de cette envie, en fait, d'y retourner. Et puis, Stéphane enfonce le clou, on reprend contact, comme si on s'était vu la veille, tu vois. Et on commence à recoser musique. Et puis, il y a aussi d'autres rencontres avec, notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Darko, tous ces gens-là qui te disent mais pourquoi t'arrêtes, pourquoi tu fais pas quelque chose, pourquoi quoi. Et puis bah tu te prends au jeu et puis bah tu t'y remets doucement, tu refabriques un petit setup, tu recommences à remettre les mains dans les plugins, les machines, etc. Et en fait tu t'aperçois que c'est vraiment en toi quoi, cette envie et ce kiff des machines. J'ai fait la connaissance grâce à Stéphane aussi d'Oikam, Francis, qui fait de la musique, qui m'a bien poussé au cul aussi, tu vois. Donc il y a plein de paramètres qui m'ont fait revenir à derrière les bécanes. Voilà. C'est vrai que ça fait partie des motivateurs ces derniers temps de projets qui nous ont replongé dans un type de son qu'on avait un petit peu lâché ces dernières années. Ouais. Moi, 4 ans, ça m'a vraiment parlé, hein, puisque tu parlais de Darko tout à l'heure. C'est donc alias, oui. 4 ans et puis moitié de Hontal, entre autres. Hein. C'est ça. Et en replongeant un petit peu dans ces morceaux et dans ceux qui vont venir, puisque je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, mais je crois qu'on en avait un petit peu parlé lors de l'interview avec Stéphane Chaos sur Ytterbium et YD70. Il y a des choses en préparation chez lui. Oui, il te dit des choses. Voilà. Il me lance et puis il m'envoie des sons, hein, puisqu'on on s'envoie toujours de la musique. Il y a des trucs, très très bien. D'ailleurs, dans le dernier passage musical, on aura un remix que t'as fait pour 4 ans, hein, chez Enz, entre oui. autres. Donc voilà, ça semblait logique. C'est vrai que maintenant que tu fais la remarque, le lien avec 4 ans semble tout à fait évident. Comment ça s'est passé d'ailleurs, hein? C'est par le biais de Stéphane? Eh ben non, si tu veux, cette histoire avec Darko, c'est vraiment à l'image de ce que j'ai toujours aimé vivre dans ce milieu-là. J'ai fait connaissance avec des petits jeunes qui avaient organisé une teuf à Nantes, où ils avaient invité Darko, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et du coup, on papote musique avec ces petits gars, ils me disent « Ouais, bah viens, on t'invite, c'est cool, etc. » Et donc, je vais dans leur teuf, on écoute du son, c'était hyper sympa, et je fais la connaissance de Darko, un mec extra. On papote, et on s'est vraiment bien entendu direct, quoi. C'est un mec adorable.
Et le lendemain, on s'est dit, bah, avant que tu repartes chez toi, on essaie de bouffer ensemble à midi et faire connaissance. Du coup, j'ai déboulé avec ma femme, ma fille. On était bouffé dans un tout petit truc de taille et on a parlé un espèce d'anglais yaourt cerbeau chelou, quoi, tu vois. C'était n'importe quoi, mais on s'est super marré, quoi. C'était vraiment, et de cette simple rencontre qui a pas duré très longtemps, tu vois, un bout d'un soir, un bout de midi, on est resté en lien depuis et on s'échange des petits messages via Messenger assez régulièrement, etc. Et quand il était passé chez moi, avant qu'il reparte, je lui ai filé des scuds, etc. En fait, t'avais l'impression d'avoir papy et son gosse, quoi, tu vois. Et c'était trop, trop génial. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'espoir de par cette génération-là qui est à fond, qui recherche un petit peu cet esprit, tu vois, de la musique. Il t'interroge beaucoup sur le passé, comment c'était, etc., les cheminements, les fêtes, comment c'était les gens, comment ils étaient. Tu vois, il t'interroge beaucoup, il cherche quelque chose. Il cherche du sens, il cherche une direction. Et c'est un plaisir d'échanger avec eux. Et c'est une histoire assez fantastique. Et du coup, et de ça est découlé ce remix. Et évidemment, un vinyle sur YB qui s'appelle Décomposition. Avec des remixes de Codex Empire et d'Imminente. Et là, c'est du lourd, tu vois. Ouais. Ouais, c'est, ouais. C'est extra, c'est vraiment extra. C'est des histoires folles, j'adore. Voilà. Puisqu'on parle de revenant, puis Imminente justement vient de nous livrer un trois titres absolument phénoménal, comme avec un son dont il a le secret. Ouais, ça c'est ouais, super longtemps qu'on attendait ça. J'ai mis la main dessus aussi, c'est top. Ouais, grave, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Mais tu vois, c'est les vieux ressortent de l'EHPAD, là. C'est bon, là, ça va chier. C'est ça. Bon, alors, par contre, il y a toujours la frustration. C'est trop court. Ouais. Olivier, arrête. Trois titres. S'il te plaît, le double minimum. Oui. On en veut plus. C'est ça. Bon, alors, je m'excuse. Il va falloir parler d'EHPAD. Il va falloir ramener Pépé dans sa chambre. Ouais. Et conclure cette interview. Hélas, nous n'avons jamais assez de temps pour nous réjouir et continuer à causer. Mais il faut mettre un terme à l'émission, bien hélas. Et on va terminer avec la dernière sélection qui nous a été un peu spoilée par Laurent. Hein, on le remercie. Donc le premier titre est L'Aube des Chaos, issu du maxi 12 du même nom, sorti en 2021 sur YB70. Ensuite le morceau intitulé Disruption 1, sur lequel donc toi Nils, tu as contribué en feat donc chez 4 ans alias Darko Collard, dont on a parlé, aussi connu pour être donc la moitié du duo Ontal, qui lui aussi a un projet qui fait un peu la navette entre les labels pure techno et là Hands pour le coup, puisque on a où est-ce que où en étais-je? Ah oui, on était sur donc Katran alias Darko Collard, qui a sorti un album Above the Concrete sur Hands en 2022, et on continue avec Mechadicum, extrait du dernier album Oblique, paru sur YB70 en 2022. Et pour terminer, le morceau Neuropacity, issu de la compilation Neurotransferencias, publié par le label barcelonais Neurohabitat en octobre 2023. Ça, c'est donc la toute dernière des prods. Qu'est-ce que tu as comme projet là, qui vient, qui est en route, qui t'occupe en ce moment côté musique? Alors, j'ai deux, voire trois choses. Il y a un retour sur quelque chose d'ambiante, mais bien, bien mental, bien dark. Un autre projet plus dur, avec des rythmiques super cassées, complètement déglinguées. Donc là, c'est vraiment deux extrêmes un petit peu. Et puis, on essaie, je suis en train de travailler avec ma chère étante sur un espèce de truc plutôt orienté. Ambiante, musique générative et mélange d'acoustique. On va voir ce que ça donne. On va faire des essais et je vous enverrai ça et je vous dirai ce que vous en pensez. Avec grand plaisir. Voilà. Ça nous donnera l'occasion de te faire reparler encore quelques heures au micro. Et pourquoi pas, peut-être d'ailleurs, ça avec Stéphane, avec ça serait sympa de faire ça spécial. Ça serait énorme. On essaiera de venir vous voir. Ce sera encore mieux. Stéphane, oui, ça c'est toujours. On est toujours friand quand il se pointe dans le coin. C'est pas toujours. Ces dernières années, c'est quand même assez rare, mais il était quand même venu spécialement nous voir de ces contrées lointaines pour l'année dernière. Je crois que c'était l'année d'avant. C'était en 2022, ouais. 2022 déjà, waouh, ça passe vite. Hein. Et d'ailleurs, donc on rappelle qu'il va nous faire un. Oui, on passe un mix de Chaos. Juste après. Juste après cette émission, voilà. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bon, de toute façon, on en refera. Tiens-nous au courant, on en refera une. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Et toi aussi, il me semble. Merci infiniment à vous.
C'est vraiment un plaisir partagé. Vraiment un plaisir partagé. Et merci pour votre travail. Parce que c'est du boulot tout ça pour un mec chelou planqué au fin fond de sa cambrousse qui fait de la musique bizarroïde. En tout cas, merci infiniment. Vraiment génial. Bah, c'est nous qui te remercions. Bah écoute, à très bientôt. Merci, et puis, n'hésite pas à passer faire des lives sur Paris. Allez. Avec plaisir. Je vous concocte un truc. Alors... Ça marche. À bientôt. Au revoir. Salut, soin de vous. À plus. Salut. Salut.